Ça vous dirait de connaître une technique qui peut vous empêcher de vous sentir stressé ou voire même d'avoir des crises d'angoisse? Si c'est le cas, je vous invite à regarder la vidéo juste après et me dire en commentaire si vous connaissiez cette technique. Cet exercice est génial si vous sentez que vous commencez à avoir trop de stress ou que vous êtes à la limite d'une crise d'angoisse. Je la recommande vraiment à tous mes clients. Vous commencez par tapoter les deux points que je viens de vous montrer sur la tranche de la main. On appelle ce point, le point karaté. Et puis après, vous avez la fontanelle. Pendant quelques secondes, entre 15 et 20 secondes, vous pouvez tapoter ce point. Et puis, vous continuez au niveau de l'arcade des sourcils. Avec vos deux doigts, votre index et votre majeur, pendant 10 à 20 secondes. Et vous changez après sur le côté au niveau des yeux. Toujours 10 à 20 secondes et vous respirez pendant que vous faites votre exercice. Après, sous les yeux. Et vous verrez qu'à force de pratiquer cet exercice, vous allez vraiment vous sentir de plus en plus détendu. C'est vraiment un exercice que vous pouvez faire au quotidien, 2 à 3 fois par jour, sans souci. Vous allez voir, vous allez avoir de super résultats. Et puis, si vous n'avez pas le temps, si vous n'êtes pas chez vous, que vous êtes au travail, je vais vous montrer 3 autres points au niveau des clavicules. Et donc, en moins d'une minute, vous pouvez vraiment revenir à vous, vous recentrer. Un autre point, pour les femmes, c'est vraiment à la limite au niveau du soutien-gorge. Et puis, sur le côté, toujours pareil, au niveau de l'armature du soutien-gorge, et vous tapotez. Rien qu'en faisant ces 3 derniers exercices, vous allez voir que votre pression va vraiment se détendre, votre gorge va se dénouer et même votre plexus solaire va se relâcher. Il existe aussi d'autres points, comme je l'expliquais, avec les mains. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre au niveau des mains. Et le point karaté n'est pas forcément à restimuler les fois d'après. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette technique.